Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test sur Psychonaut d'une production faite par Double Fine. Voilà. David Dixon qui est responsable de la programmation. Voilà, quel accent magnifique. Eric machin, responsable de. Enfin voilà, vous avez toutes les infos dessus. Le vidéo test est fini. Voilà, tout simplement. Allez, ils sont en forme, hein, ils mettent tout. J'avais jamais fait gaffe puisque à chaque fois j'appuyais sur A direct. Bon, passons. Donc voilà, alors qu'est-ce que Psychonaut? Eh bien déjà nous sommes sur le support, la version PC. C'est pour ça que c'est très net, c'est propre. Mais c'est un jeu sorti, il me semble, en 2005, un truc comme ça, enfin en fin de vie de la PS2, et qui était sorti à la base sur PS2, à l'époque. Puis sur Xbox et PC. Et tout tourne autour du cerveau. De la psychologie du cerveau, moi, vous voyez. Ce jeu est très... très philosophique. Bon, il n'en a pas trop l'air, mais vous allez voir. Donc, appuyez pour continuer. On va pas faire continuer dans une partie entamée, parce que bon, c'est la fin du jeu. Voilà. Je ne suis pas trop du genre à spoiler. Enfin, même si j'ai spoilé pas mal le jeu dans mes vidéos d'AS, mais... Oubliez ça. Bref. Je vais charger une partie. Oui, bah, on va prendre celui-là. Ah, voilà. Et c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Cirque sanglant. C'est la fin, ça, cirque sanglant. Colonie de vacances du rock. Ouais, on va mettre vers le début, hein. Peut-être là, le labo souterrain de Sacha, voilà, c'est là où tout commence, hein, réellement. Voilà. Je veux tirer sur d'autres trucs. D'accord, d'accord, mais plus dans mon esprit. Oublions mon esprit un moment, si on retournait dans le tien, hein. Approche-toi du tour mental quand tu seras prêt. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la VF est plutôt pas mal. Alors des fois il y a quand même des personnages assez énervants au niveau de la voix, qui ont des voix très stridentes, c'est horrible. C'est peut-être voulu, mais bon, parce que c'est quand même un univers complètement barré, complètement loufoque. De toute façon, je vais vous montrer vite fait la colonie de vacances, parce qu'en fait on dirige Raz, voilà, Rasputin, qui est un petit personnage qui a des pouvoirs miraculeux. Il a le pouvoir de rentrer dans la tête des gens, voilà, pour voir ce qui se trame, et pourquoi les gens sont dérangés, et pour les soigner, psychologiquement. Et le truc, c'est que pour qu'il perfectionne ses pouvoirs, ses habilités, eh bien, il y allait dans le camp de vacances des Psychonautes. Alors c'est là où les apprentis, on va dire les apprentis Psychonautes sont... ben voilà, sont formés dans ce camp et pour devenir psychonautes, des vrais psychonautes. Pour sauver le monde en quelque sorte. Pour qu'il y ait de moins en moins d'attardés dans la vie. Voilà, c'est magnifique. Hein. Voilà, on va se balader comme ça au début. Et donc voilà, c'est un jeu de plateforme vraiment à l'ancienne, hein, qui est assez open world quand même. Hein. Vous voyez là, c'est le hub central, on peut aller à peu près partout. Je trouve pas mes boutons. Ah, fichtre. Ah oui, c'est parce qu'on est vraiment au tout début du jeu, on a que le tir au niveau du pouvoir. Ah d'accord. Très pratique. Et vous voyez que le style fait très... c'est très spécial, ça fait très... le joyeux Noël de Monsieur Jack. Chef, je suis ici pour apprendre, chef. Tu es là pour travailler dur, Oui, chef. Développer un talent? Oui, chef. Faire partie d'une noble équipe? Oui. Oui, devenir? Oui. Concierge? Non. Quoi? Je veux devenir psychonaute. Tap. Oh, les micmacs manteaux, c'est en haut. Ici, on tord les serpillères, pas les cuillères. Ah, lui, c'est un personnage complètement fou.
qui change de personnalité dès qu'il sort de chez lui, voilà. Dès qu'il sort de son labo souterrain. Et on peut l'appeler quand on veut, hein. Alors attendez, c'est... voilà. Du bacon. Voilà, il est juste là, à l'oreille. Il sort de l'oreille, il sort de notre cerveau en quelque sorte. Agent Krüller, vous avez des conseils sur la situation actuelle? Eh bien, maintenant que ton esprit est une arme mortelle, si tu allais donner une leçon à ce cracheur d'ordures, celui de ta vision, pense à ça. Rien d'autre à signaler. Voilà, donc il faut revenir dans nos souvenirs, mais bon. Moi, je voulais vous montrer un petit peu le niveau, quoi. Le hub central. Voilà. C'est très... je trouve que la direction artistique est sympa. Et c'est un jeu de l'époque, hein, donc c'est logique que ça ait vieilli, hein, graphiquement. Ça a vieilli, mais ça a pas mal vieilli, quand même. Et même pour l'époque, c'était pas non plus fou, parce qu'on avait déjà Beyond Good and Evil, on avait déjà Rayman 3, qui était quand même au-dessus graphiquement. Donc bon, c'était pas non plus une grosse surprise, ce Psychonaut. Mais il est surtout surprenant tu veux que je t'aide sur son scénario. Si je l'enlève, Bobby va mettre un truc pire dessus. Genre un caleçon encore plus sale ou un animal avec des dents. Je vais juste attendre ici la fin du camp et que mon père revienne me chercher. Allez, ça peut pas être si grave. Comme ça, tu as un suspensoir sur... Poisson clocher sur tête. Très malin. Ours enquêté. Prendre raclée. Moi attendre voir si ours vient. Si des ours se pointent, n'hésite pas à agir. En tout cas, c'est vraiment grave. D'abord, Bobby et Benny m'ont coincé dans les douches des filles, puis m'ont empêché de sortir des toilettes, et maintenant, ils m'empêchent d'y aller, sans compter toutes les raclées. Non! Ensuite, on t'a collé dans la CPG! Malouf abandonne place pour bagarre d'ours. Pour remercier gentillesse, embêter interdit, toutes les brutes dirent d'accord, vite. Dégage, Coco! Je vais te prendre ton... Coup suivant, être prise mortelle. Quand toi criais, œil risqué sortir de tête de brute, conseiller arrêté. D'accord! Si tout serait plus fou! Il est un peu bugué quand il court, mais bon. Il court un peu comme un interdit. Enfin bref. J'ai eu un succès, j'ai jamais vu cette cinématique à la base, donc voilà, c'était un truc secondaire. Enfin bref. Vous voyez, quand on est paumé et qu'on fait n'importe quoi, eh ben on tombe sur des cinématiques, voilà, des cutscenes. L'étoile mentale vous démoralise, j'ai ce qu'il faut pour vous au magasin du camp. Venez vous acheter un aspiratoile avant que le stock soit épuisé. Bon, et puis je vais vous montrer vite fait, voilà, la maison là-bas. C'est là où il y a la boutique de plusieurs conneries, quoi. Ouais. C'est le papy qui nous vend plusieurs babioles. Pour nous aider dans l'aventure, tout simplement. Et puis on avance dans le jeu, plus on a des... voilà, les aptitudes ici qu'on débloque. Donc pour l'instant j'ai que le tir. Ah, on va essayer de les tirer dessus. Bon, ça fait rien. Excusez-moi. Je t'ai dit que les burgers n'étaient... non. Il n'y a une seule... C'est une chaîne même pas. Alors... il raconte sa vie à chaque fois. Des bonbons de rêve délicieux. Ah tiens, j'en prends un. Vendu au gamin à la grosse tête avec des gants. Voilà, génial. C'est bon pour l'instant. Très bien. C'est un truc qui nous remet toute notre santé. Et plus on avance dans le jeu, enfin plus on déverrouille... Ah d'accord. Ok. Alors, je vous avoue que c'est la toute première fois que ça m'arrive. Hein. Du coup, faire quoi? Mettre en pause. C'est génial. J'ai essayé de re-rentrer dans la cabane. Ça a pas chargé le truc. Ah purée, c'est bugué. Bon, c'est bon. C'est le vidéotest qui part en live, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce bug encore? Bon, on va faire une autre partie, voilà. C'est bon. Non! Mais non, ça va pas faire tout le temps ça! Mais non, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Mon PC, il est trop puissant pour cette chose, ce jeu! De Dieu!
Purée, c'est pas possible. Bon, retour vers l'écran titre, hein, c'est bon. Ça fait n'importe quoi, hein. Mais non, ça continue. Y'a plus le cerveau. Mais non, mais c'est pas possible. Oh non, je vais pas devoir tout recommencer, là. Purée. Alors, j'hésite, parce que si je ferme le jeu, le logiciel, il risque de s'éteindre. C'est le risque à prendre. On relance, et normalement... En fait, il s'est pas éteint le logiciel, c'est bon. Le logiciel de capture. Nickel. Bon, je vais relancer la partie, appuyer sur pour commencer une nouvelle partie, non? Charger. Ça commence bien. Et si on change par exemple... Ah, c'est pour une autre partie. Un autre profil. Bon, on va charger la partie 4, colonie de vacances, qui murmure, zone. C'était quel moment ça? Ah, c'était quand... Ah ok, c'était déjà quand le colonie de vacances, bah... Il était devenu un colonie de vacances fantôme. Y'a plus rien. Voilà, c'est ce bouton-là. Pour utiliser ça, pour aller un peu plus vite. On fait une espèce de sphère anti-gravité, je sais pas quoi. Pouvoir qu'on débloque plus tard. Par contre, c'est à quel moment du jeu, là? Déjà, ceux-là... Ils peuvent être assez pénibles. Ils peuvent nous enlever pas mal de vie. Parce qu'eux, ils utilisent le pouvoir... psychique enflammé, je sais pas trop comment on appelle ça. Parce que par exemple on peut... la technique de pyromane quoi. Parce que par exemple on peut, grâce à notre mental, enflammer des trucs. Bon c'est assez limité, on peut pas enflammer par exemple... voilà les décors comme ça. Par contre, je vais utiliser le bacon vite fait. Du bacon. Hey, prêt à... Oui, bon. Ah. On peut y aller direct. En récompense de ton travail, de ton dévouement, de ta... de télékinésie. D'accord. La télé... Vas-y. Ah, donc là, on a gagné la télékinésie. Donc ça s'utilise comme ça, et on le balance. Oui. Maintenant que tu as choisi la destination... Oh, oh, oh bien lancé. Mec, voyons. On va passer. Même si les dialogues sont sympas, mais bon. Oh, joli tir. Essaie de recommencer. Hop. Bingo. Allez, oui. Une dernière. Ah, il est motivé, papy. Ouais, bon, bon bah voilà. Cabo. On dirait qu'on est à la butilie. Ah, c'est fait. Donc on va retourner... On va retourner dans l'un des rêves. Je crois que c'était le laitier. Et pour y accéder facilement, il faut aller... Où voulez-vous? Bon, ça c'est un truc pour pouvoir aller plus vite. C'est un petit raccourci pour se TP. Parce que le hub central est un petit peu grand quand même. C'est pas si immense que ça, hein, mais apparemment on est... c'est bien pratique d'utiliser cette fonction. Et donc, mets-moi aux cabanes, laisse-moi devant la grande salle, secteur du feu de camp. Rapprochez-moi de la chasse.
Voilà, c'est ce truc là. Donc là, faut rentrer là-dedans. Normalement, là, on a la possibilité de revenir dans les rêves. Directement ici. En fait, c'est un raccourci, parce que... Normalement, on va dans les rêves... Enfin, on avance dans l'aventure. Hop, on rencontre un nouveau personnage, et hop, on rentre dans sa tête. Et la première fois qu'on rentre dans sa tête, après, ça enregistre dans le jeu. Et si on sort de sa tête, et même si on revient dans le camp de vacances, tout ça, on n'a pas besoin de revenir là où est le personnage. On va dans cet endroit-ci, pour... aller dans sa tête à distance, voilà. Par contre, c'était où? Fête de Mila, non? Donc allez, moi je vous mets vite fait Fête de Mila, parce que c'est une petite séquence de plateforme plutôt sympa pour pouvoir nous apprendre. Je vais passer. Pas grand chose à faire. Ah, hop. Donc là, ouais, c'est une salle de tuto, mais pour voilà apprendre ce mouvement là. Et ces trucs-là, le truc que je viens de récupérer, là, les bribes, comme ils appellent ça, eh bien, ça permet de faire... Bon, les étiquettes de sac, bon, ça, c'est un bonus en plus, mais bon, c'est du remplissage, quoi, ça sert un peu à rien. Mais sinon, les bribes servent vraiment à quelque chose, ça augmente notre rang, et grâce à ça, on peut débloquer de nouveaux pouvoirs. Voilà. Et oui, et dans le scénar aussi. Alors pourquoi le colonie de vacances est devenu désert? Bah, tout simplement parce que les petits vacanciers là, les apprentis psychonautes, ils se sont fait voler leur cerveau. Voilà. Très logique. Donc maintenant ils sont devant la télé comme des bonnets et voilà. Le fameux cliché. Et ils font rien comme des zombies. Alors, on peut planer aussi comme ça, voilà. Comme ceci, c'est pas mal. Ah, c'est comme si on avait un ballon de baudruche, hein, finalement. Hop. Donc ils se font chourer leur cerveau, donc faut retrouver les cerveaux des enfants. Et quand on en retrouve, on upgrade notre barre de vie. Mais aussi, voilà, dans le scénario, il faut trouver qui a fait ça, qui est le voleur de cerveau, attention. Et au fur et à mesure de l'aventure, bah, on se rend compte de qui c'est réellement, et que c'est un personnage qu'on voit en fait au tout début du jeu. Qui a pété un câble, littéralement. L'histoire peut sembler, racontée comme ça, elle peut sembler vraiment banale, mais il faut vraiment le faire pour se rendre compte que c'est quand même un jeu assez original dans son concept déjà, de rentrer dans la tête des gens, tout ça, et de voir... Déjà rien que ça nous permet de voyager dans différents mondes, vraiment différents, à chaque fois. Parce que le jeu à la base, il n'est pas si grand que ça, il n'est pas très grand, hein. On fait vite fait le tour. Dans le hub central, il n'y a quasiment que le hub central, après il y a les niveaux dans les têtes des gens. Et c'est plus dans le niveau des têtes des gens que le jeu est plus fourni, finalement. Ça y est. Hop, et ça, c'est l'étoile d'araignée, là, comme je viens d'enlever. Déjà, de 1, des fois ça nous gêne, on peut pas avancer. Bon, là, ça nous gênait pas, donc on s'en fichait un peu, mais... Quand on en chope plusieurs, on peut récupérer des cartes à collectionner là. Et ces cartes nous permettent aussi de... je sais même plus à quoi ça sert exactement. Je vous avoue. Il me semble que ça sert à upgrader peut-être nos pouvoirs. Mais c'est pas une certitude. Je crois que nos pouvoirs déjà ils sont upgradés rien que le fait qu'on récupère des bribes pour gagner en rang. Voilà, là je suis en rang 20 par exemple. Et si j'arrive à 100 bribes, et bah, je serai au rang suivant. Voilà. Ce qui me permettra de soit débloquer un nouveau pouvoir comme j'ai fait en... Juste avant j'ai débloqué le pouvoir de télékinésie que je pouvais pas débloquer en étant... si j'étais en rang 19. Eh ben, je serais bloqué, je serais obligé d'être en rang 20 pour pouvoir
avancer. Donc c'est très important de prendre ces bribes, sinon on risque d'être bloqué dans le jeu. Et ça, j'avais pas compris dès le départ. Et le jeu, par contre, y a beaucoup d'énigmes aussi, j'en ai pas parlé, parce que j'ai juste dit que c'était un jeu de plateforme assez unique. Déjà, c'est un jeu qui se démarque des autres, hein, un peu comme un Rayman 3, un Beyond Good and Evil, voilà. Je situe surtout ces deux-là, parce que bon, c'est vrai que ça me fait quand même pas mal penser à ce genre d'ovni, hein, vidéoludique. Après... Voilà, parce que pour moi, par exemple, un Crash Bandicoot, c'est beaucoup plus classique. Hop. Hop, voilà. Ah, et là, à la fin, il y avait une petite course à faire. Voilà. Voyons maintenant si tu es rapide, Trésor. D'accord? Prêt? Partez! Sauf que du coup, il y a personne, là, normal, logique. Ils se sont fait voler leur cerveau. Et bah voilà, là c'est une petite course vite fait. On va attendre l'arrivée tranquille. Et bref, ce jeu est quand même assez. En plus, il y a pas mal de phases différentes. Et à chaque fois qu'on rentre dans le cerveau d'une personne, le niveau est vraiment unique. Et vraiment, on s'en souvient, même à la toute fin du jeu, on se souvient du niveau, du premier niveau, quoi. C'est vraiment des niveaux uniques et mémorables. Avec de bonnes idées à chaque fois, c'est... Et vraiment, je pense qu'il y a plusieurs joueurs, ils peuvent avoir leur niveau préféré dans Psychonauts. Et bon, je dirais pas non plus le premier niveau qui est vraiment bien, parce que bon, c'est le niveau du didacticiel. Même s'il a une ambiance aussi unique, etc. Il fait penser à la Seconde Guerre mondiale, voilà. Ça touche quand même des trucs assez sérieux, hein, même si ce jeu est fait très enfantin. Derrière ça se cache quand même des moments assez glauques. Et l'histoire n'est pas si simple que ça, attention. Et à chaque fois qu'on rentre dans la tête d'un personnage, on a finalement une mini-histoire à chaque fois. Tu as réussi! Tu es aussi rapide que l'éclair! Je suis si fier de toi, Trésor! Parce qu'à la base, on a notre objectif principal, c'est de sauver le camp de vacances. Mais il va y avoir à chaque fois des obstacles. Il y a certains personnages qui vont nous demander tel ou tel truc. Ou alors il y en a certains qui sont fous et qui veulent pas nous laisser passer. Et donc pour ça, il faut aller dans leur tête. Et comme ça, on va pouvoir après, en finissant les niveaux, on va pouvoir avancer et raisonner la personne. Et raisonner la personne qui nous gênait, quoi, à la base. En gros, pour remettre tout dans l'ordre dans sa tronche, quoi. Pour me remettre les idées en place. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, ce système-là. Et c'est ça surtout qui fait que ça le démarque des autres jeux de plateforme. C'est bon, à côté, il a une histoire, quoi. Et voilà, pour moi c'est un ovni vidéoludique. Ça se trouve, il peut pas plaire à tout le monde après, hein, parce que il peut être assez particulier. Et bon, après, globalement, si vous aimez la plateforme, et si vous aimez la découverte de jeux très originaux, voilà, de jeux de plateforme très originaux, avec de bonnes idées aussi dans le gameplay, je pense que ce jeu vous plaira forcément. De toute façon, si vous êtes un joueur Nintendo, vous ne serez pas vraiment dépaysé. Niveau plateforme.
Après, voilà, il y a beaucoup d'énigmes aussi. Et je vous l'avoue que il y a une énigme avec surtout dans le rêve du laitier. C'est pas un rêve que j'ai particulièrement aimé, par contre, celui-là. Le rêve du laitier, comment dire, c'était surtout le rêve le plus hard du jeu, le plus compliqué. Et pourtant, c'est pas le dernier. C'était loin d'être le dernier. On est à peu près à 60% du jeu quand on fait celui-là. Le jeu dure à peu près une bonne 10-15 heures à peu près. Enfin, vous avez vu dans mes sauvegardes, je crois que j'étais à 11 heures ou 12 heures. Après, voilà, j'ai pas fait de 100%, hein, j'ai fait juste comme ça en une traite. Et bref, le jeu est pas très long. Mais vous verrez vraiment pas le temps passer et... Bon, je ne trouve pas non plus aussi bon qu'à Rayman 3 ou qu'à Beyond Good and Evil, hein, je cite encore cela. Mais ça reste quand même un jeu très original. Et qui pour moi est plus mémorable qu'un Mario Sunshine. Parce qu'il y a quand même une expérience derrière, il y a quelque chose. Mario Sunshine, c'est surtout la plateforme. Et rien d'autre, quoi. Et après, les niveaux sont originaux, machin, mais bon. Y a pas la petite magie derrière qui fait que... Ah, il y a quelque chose en plus avec ce jeu. Alors que là, pourtant, ce jeu, il est beaucoup plus simple que Sunshine, moins technique, moins maîtrisé dans sa plateforme. Mais derrière, voilà, ce n'est pas qu'un jeu de plateforme, hein. Il y a des énigmes, il y a beaucoup d'énigmes très intéressantes, hein, à résoudre, toutes logiques quand même. Et j'avoue que voilà, ça m'est arrivé deux fois de regarder sur internet de la Solus, parce que bon, j'étais bloqué. C'est quand même assez compliqué, surtout quand on est jeune, j'imagine, faire ce jeu, oula, c'est compliqué. Enfin bref, je voulais même pas montrer le niveau du laitier, bon tant pis, hein. Bah, en gros, je voulais faire un vidéo test très rapide quand même, hein. Je veux pas faire des trucs étendus d'une heure, enfin... En tout cas, j'ai fait à peu près le tour sur ce jeu-là. J'essaierai, oui, à l'avenir de faire des vidéos tests de moins en moins... Hein. Long, parce que bon, avant une heure c'était quand même balèze. Bon, j'avoue que le prochain Zelda il sera long. J'ai beaucoup de choses à dire sur le Zelda. Enfin, le Breath of the Wild. Mais ça arrivera quand ça arrivera. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce Psychonaut. Voilà, très très bon jeu. Mémorable. Et en plus, voilà, bon, moi je l'ai eu pour une bouchée de pain. J'ai acheté une baguette, voilà, au lieu d'acheter une baguette, j'ai acheté le jeu. Il m'a coûté 2€. Voilà, le même prix qu'un Rayman Jungle Run sur Android, quoi. C'est magnifique. Alors que c'est 10 fois mieux, ça. Enfin bref, c'était pendant les soldes, franchement. Normalement, le jeu vaut à peu près 10€. Même 10€, c'est rien, quoi. Voilà, par exemple, il y a le nouveau XXL qui sort, Astérix Obélix XXL2. J'avoue que moi, je vais peut-être l'acheter. Parce que bon, je l'ai jamais eu sur PS2 à la base. PS2, je l'ai eu trop tard. Peut-être que, voilà, il est en train de danser, c'est magnifique. Les animations sont sympas aussi. Mais voilà, peut-être que je vais craquer pour XXL2. Mais bref, si vous avez pas Psychonaut et XXL2, je vous conseille plus Psychonaut. Voilà, parce que XXL2, ça reste quand même un jeu plutôt simple. C'est un bon petit jeu, mais... Et voilà, pour moi, même s'il y a la nostalgie du XXL1 et du 2 que j'avais fait vite fait avec un pote sur sa PS2, malgré la nostalgie, je vous conseille plus Psychonaut. Voilà, et d'ailleurs, il va y avoir un deuxième Psychonaut, hein, vu que celui-là a plutôt bien marché. Bon, il arrive quand même bien tardivement après. Parce qu'il y a eu un Psychonaut en réalité virtuelle sur PS4. Donc c'est un petit jeu gratos de 20 minutes, je crois, il me semble, un truc comme ça, avec des petites énigmes.
Et sinon, voilà, le vrai Psychonaut va sortir, Psychonaut 2, de la plateforme, pareil, un jeu de ce même, de ce style. D'ailleurs, il a l'air vraiment bien, hein. Ils ont montré quand même les développeurs où ils en étaient, etc. Ils ont quand même bien avancé. Et bon, après, il me semble que ce jeu va sortir dans un an ou deux ans, donc faut pas être pressé. Mais ils sont déjà rendus à la bêta, je pense, là, ils sont pas mal. Niveau avancement du Psychonaut 2. Ok, il y avait le premier niveau qui était complètement fini. Enfin, qui nous ont montré. Plutôt bien codé, etc. Après, je sais pas si je vais vous mettre le lien dans la description. Je le trouverai peut-être. Bon, peut-être que je vous mettrai le lien de... Mais après, ça va être facile à trouver, hein. Vous écrivez juste Psychonaut 2 et sur YouTube et hop, vous trouverez direct ce genre de vidéo, hein. Il n'y a pas que il y aura le trailer, mais en plus aussi les vidéos où les développeurs commentent en arrière-plan et jouent. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouveaux vidéos tests.